À quoi ça sert d'appeler les pompiers quand la maison a déjà brûlé? Il ne faut pas réfléchir à la gestion de son entreprise quand ça commence à aller mal. Souvent, des fois, c'est trop tard. C'est sur ce constat que Emmanuel Irigoyen a construit le service Evoludis. Ce service, si vous voulez, c'est quelque chose que je recherchais auparavant, mais qui n'existait pas en vérité. À la limite, je l'aurais presque inventé auparavant. Evoludis est un service dédié aux dirigeants de petites et moyennes structures qui souhaitent sécuriser et pérenniser leur entreprise, surtout dans la conjoncture économique actuelle. C'est-à-dire la compta analytique, on fait sa compta, on l'analyse après. Ah ben ça on l'a fait mal, ça on l'a fait mal, ça on l'a fait bien, tant mieux, ça on l'a fait mal. Mais c'est trop tard. Il y a très très longtemps que je souhaitais avoir, si vous voulez, autre chose qu'un centre de calcul. Or ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir ce que l'on fait de nos chiffres en fait. Bon, le comptable, lui, il s'occupe des chiffres. Et après, voilà, il ne va pas faire une approche de gestion comme fait Emmanuel. Tandis que la gestion faite par Emmanuel Irigoyen, c'est « attention, tu vas faire mal ». Depuis 10 ans, Emmanuel Irigoyen conseille des entrepreneurs dans la gestion au quotidien de leur structure sur des aspects économiques, sociaux et fiscaux. Ça me semble complètement aberrant aujourd'hui de gérer une entreprise sur des documents comptables qu'on reçoit 2 mois, 3 mois ou plus après la clôture de l'exercice. Et quand on fait de la gestion, on ne fait pas de constat, on l'anticipe. DESS d'économie de gestion d'entreprise en poche, Emmanuel Irigoyen entre dans un cabinet de gestion pour affiner son expertise de la gestion des TPE-PME. Il monte ensuite son propre cabinet avec toujours le même credo. Une entreprise, quelle que soit sa taille, ne se pérennise et se sécurise que par anticipation, suivi et accompagnement. La solution Digestion Evoludis est le fruit de 20 ans d'expertise au service de petites et très petites entreprises, pendant longtemps basée sur des visites régulières chez ses différents clients. Après, on a toujours besoin de se rattacher, de conseils, d'avoir d'autres personnes qui ont un œil sur notre façon de gérer notre exploitation. Moi, le but du jeu, c'est d'arriver à réduire mes charges. Ces parties-là, fiscales, sociales, moi, je ne les maîtrise pas trop, quoi. Et bon, c'est chacun son métier. Je commençais à grossir un petit peu et je nageais parce que le côté social avec les salariés, je ne le connaissais pas. Alors, technique, pas de problème, organisationnellement, je m'en sortais très bien. Mais après, je me disais, mais ça me rapporte, ça ne me rapporte pas, je ne savais plus où j'en étais. Voilà. Dès qu'il est arrivé, 6 mois après, ça a été. C'est pas des lunettes qui m'a mis sur les yeux, c'est des jumelles, quoi. Evoludis s'appuie sur 10 années d'intervention dans les entreprises pour proposer aujourd'hui une solution d'accompagnement des entrepreneurs par l'e-gestion. Cette plateforme est toujours organisée autour de l'expertise d'un conseiller qui suit personnellement l'évolution de votre entreprise, analyse régulièrement vos documents financiers et édite des tableaux de bord spécifiques de vos activités. Une interface personnelle, complète et intuitive, totalement sécurisée, vous permet de suivre en temps réel l'évolution des chiffres clés de votre entreprise, activité par activité. Cette interface facilite également les échanges réguliers avec votre interlocuteur Evoludis par webcam interposée et un système de prise en main à distance. Alors nous avons des rendez-vous réguliers au cours de l'année. On établit des objectifs, activité par activité. Ça permet voilà, de connaître aussi la rentabilité de toutes les productions qu'on a et ça aide à la décision, c'est sûr. Gestion de la trésorerie, conseils juridiques et sociaux, optimisation des aspects fiscaux, diminution des cotisations sociales, Evoludis permet d'offrir un accompagnement de haute qualité à un coût totalement adapté au budget de la petite entreprise. Ce que je recherche moi déjà en priorité, c'est un regard extérieur. C'est bon, une fois qu'on est dans son truc, c'est pas qu'on est des œillères, mais bon, des fois on voit pas des petites opportunités qu'il peut y avoir à côté, quoi. Je dis toujours à des clients potentiels qui pourraient venir ici ou des clients que je vois galérer, c'est sortir du trou par la gestion. La finalité, c'est de permettre au chef d'entreprise, à sa famille, si vous voulez, de respecter ses objectifs de vie.